Eh oui. Encore un mois du plaisir. Encore un mois incroyable où on va avoir plein de jeux vidéo qui vont arriver et si peu de temps pour y jouer. <laughs> C'est vrai que franchement quand on y pense on se dit oh là là mais comment va-t-on faire pour jouer à tout ça oscur. Et pourtant, et pourtant bah on va en sélectionner puisque oui, on va en sélectionner quelques-uns dans cette petite liste. Il y en a au moins une dizaine déjà potentiellement intéressants pour moi. Comme pour vous. Et je vous dis bonjour. Bonjour tout le monde. Bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo. C'est B8300. Et aujourd'hui, on va se retrouver eh bien, pour parler un petit peu justement des jeux vidéo de ce mois de mars. Allez, c'est parti. Place au March 2K23 Video Games. Oh yeah! Oh, ça, c'est des beaux petits titres à rallonge, comme on les aime bien. On va commencer tout de suite, sans plus attendre, par celui-ci, que j'attends un petit peu. C'est l'extension de Castlevania pour le jeu Dead Cells. Dead Cells qu'on ne présente plus, évidemment, et qui est un excellent jeu. Euh, je le confirme, et c'est vrai que j'avais passé un très très bon moment dessus. Moi, bon, j'étais là depuis l'early Access, hein, donc c'est vous dire si j'ai bien suivi aussi le. Le projet est depuis tant de temps et on va donc avoir une petite option et un petit plus comme cela de jeu euh, notamment sur l'univers de Castlevania. Donc avec bien sûr des environnements euh, spécifiques, avec des monstres spécifiques, avec il me semble également des pouvoirs je crois spécifiques si ma mémoire est bonne. Euh, mais en tout cas voilà ça c'est quand même cool d'avoir euh, fait ça. Je pensais vraiment pas un jour que ça arriverait, surtout que, euh, dans un jeu comme Dead Cells. Mais Konami a été très gentil, a dit ne vous inquiétez pas, euh, oui. Euh, y a pas de souci. Les musiques aussi, d'ailleurs, des, des remix musicaux de l'univers de Castlevania. Sur ça, ça j'attends énormément parce que comme les musiques déjà sont déjà ultra classe, le fait d'avoir ça en plus sous, sous forme de remix, ça peut être très 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 sympa. Ça peut être vraiment cool. Donc petite surprise en plus, one final surprise. Et là, oh incroyable. Et eh oui, on va pouvoir jouer même à l'ancienne. <laughs> <laughs> voilà, on va pouvoir jouer à l'ancienne à la, à dans un niveau apparemment secret, euh, inspiré de Castlevania, euh, un, même de Castlevania euh, au sens global du terme, euh, c'est cool, donc ça arrive ce mois-ci, euh, donc mars 2023, euh, sur, euh, bah, sur toutes les consoles évidemment, où le jeu est sorti, puisque je le rappelle, c'est un euh, DLC, en plus pour The Game, évidemment. Autre jeu, alors je pense à mon avis qu'il sera peut-être attendu par personne, mais <laughs> vraiment personne. Mais ça sort aussi au mois de, de mars 2023. Vous avez envie de, de foutre des patates, de foutre des tatanes, le fameux. Et bah écoutez, vous allez pouvoir le faire, mais tout cela avec du fitness. Et oui, et ça c'est quand même incroyable. Eh oui, fitness boxing, qui, euh, Feast of the North Star Voilà, c'est un jeu de fitness, de, de box fitness, mais dans l'univers de, euh, de Ken le survivant. C'est incroyable, personne ne le voulait, personne n'en voulait, et pourtant, Nintendo l'a fait <laughs> Écoutez j'ai envie de vous dire, pourquoi pas hein, Moi, de toute façon, il faut que je perde quelques petits kilos. Peut-être que potentiellement, ça pourrait m'aider. Ah, mais non, il faudrait que je j'aille à la salle. Je sais, je sais, je sais. Mais le temps, le temps, le temps, le temps, le temps n'est plus en ma faveur, malheureusement. En tout cas, je ne prends plus le temps. Oh, alors là, plus, on a les costumes absolument incroyables, exceptionnels. Bref, ça arrive également, donc, au mois de mars 2023. Bon, si vous êtes client, si ça vous intéresse, vous savez quoi faire. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas forcément le jeu qu'on attendait le plus. Et donc ça arrive bien euh, le, euh, au mois de mars 2023. Et je crois d'ailleurs avoir la date exacte. Euh, c'est le 2 mars. Voilà, 2 mars 2023. Donc ça va aller très très vite au moment où vous verrez cette vidéo. Il sera en passe euh, d'arriver euh, sur vos petites consoles euh, bien sympathiques. Autre jeu aussi attendu, et pas qu'un peu, puisque là, c'est vraiment là les fans, fans, fans fan absolus qui vont attendre ce jeu. WWE2K23, oh yeah! Oh ouais, il y a de la sueur, il y a de la testostérone, il y a des gens qui sont en tenue très, très, très légère, euh, des euh, madames qui se foutent sur la tronche avec des plans évidemment toujours bien choisis pour ce genre de jeu. Bref! Le jeu de catch par excellence, qui aujourd'hui n'a aucun équivalent, sort donc pour sa mise à jour annuelle. C'est un jeu qui est très attendu par énormément de fans. Je l'ai été, il fut un temps. Je l'ai été, euh, il fut un moment, notamment sur PS2 où je jouais énormément à ces jeux-là. Je dois bien reconnaître que je, je suis un peu passé au travers de, de tout cela. Mais il y a toujours un public présent pour ce genre de jeu. Il y a toujours un public de fans surtout présent pour ce genre de jeu. Et donc ça arrive bel et bien pour le mois de mars 2023 avec des bonus à, à débloquer évidemment, des petites choses sympathiques euh, pour les fans avant tout. Autre jeu qui va sortir également pour le mois de euh, mars 2023, et on l'avait vu il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Chia. Voilà, Chia qu'on a vu il y a dernièrement, c'était au... J'allais dire au Summer Game Fest, pas du tout, au State of Play Play PlayStation euh, notamment. Et on a eu la confirmation donc de son arrivée à la fois le 21 mars 2023, mais aussi et surtout dans le PlayStation Plus Extra et Premium, si vous êtes évidemment Extra et Premium. Et voici donc le jeu que l'on aura. Et euh, voir un petit peu. Alors je vous ai pris notamment une petite démo euh, qui vient du site d'IGN pour voir un petit peu eh bien, ce, que, ce que ça donne. Bah, ma foi! Ma foi, ça, ça m'a l'air quand même plutôt. Euh... <laughs> ça m'a l'air quand même plutôt sympa. Euh, alors, c'est très Zelda-like, hein, évidemment. Très, euh, Zelda Breath of the Wild, évidemment. Euh, avec euh, notamment une physique euh, sur à peu près tout. Là, on le voit notamment euh, sur les palmiers, euh, sur le personnage en lui-même, etc., etc. Bref, c'est un jeu qui est intriguant. Moi, euh, il continue à m'intriguer. Là, on peut faire des, des, des spins, des machins, des bidules. C'est. Mais c'est un jeu ultra bizarre, ultra. Mais en même temps, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de me dire que potentiellement ça peut être très marrant à jouer. Euh, après, reste à voir véritablement l'intérêt de ce jeu sur le, le long terme. Mais why not Comme on dit dans le jargon, why not voir un petit peu ce qu'il a à, à proposer. Euh, donc peut-être que je l'essayerai. Pour l'instant, c'est pas, suis pas encore sûr, sûr et certain, mais potentiellement, ouais, je l'essayerai. On verra bien. On verra ce que ça donnera. Mais euh, c'est très, je suis curieux. Voilà, je suis curieux d'un jeu comme ça, euh, qui euh, sort un peu des sentiers battus, ne va pas révolutionner ce que l'on attend de lui, de son gameplay, de ce genre de, de choses euh, au global. Mais il y a un petit quelque chose. Il voilà, y a un petit quelque chose qui fait que bah, ce Chia peut potentiellement être très intéressant. On en saura plus d'ici là, puisqu'il sort, vous le savez, bientôt, très très bientôt. Autre sortie euh, sortie qui euh, sera euh, donc. Euh, ah oui, bah si je ne mets pas la lecture forcément. Euh, sortie donc pour le mois de mars 2023, Mato Anomalies. Donc c'est un jeu évidemment sous la houlette de Prime Matter, hein, donc la branche indé, euh, qui euh, notamment euh, s'est occupé, bah, je crois d'ailleurs, de Scarabove. Hein, je crois que c'est eux. Scarabove, ouais, c'est eux exactement. Euh, et donc, euh, pareil. Je pense pas que le jeu euh, voilà, sera intéressé par... Euh... Enfin en tout cas sera intéressant pour tout le monde, et peut-être qu'il ne sera pas forcément apprécié de tout le monde, mais c'est un jeu là aussi très particulier. Euh, RPG, euh... alors je vais pas dire vieillot, parce que c'est pas vrai, mais un RPG à l'ancienne. Voilà. Euh, mais qui euh, pourrait être intéressant notamment de par euh, son ambiance de par euh, notamment son comment dire son, 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 son style euh, graphique, son style visuel euh, très 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 particulier. Je vous invite d'ailleurs à aller voir mon collègue vidéaste et ami. De surcroît, euh, au CRAD, euh, qui a fait notamment une petite vidéo dessus, il a vu l'exclusivité le, le, euh, notamment de, de pouvoir jouer au jeu en avant-première, incroyable, euh, plusieurs mois avant, puisque sa, sa vidéo elle date de 2022, donc je vous invite à, à aller la voir, parce que ça vous permettra peut-être d'en voir un petit peu plus sur ce que potentiellement pourrait être ce jeu Mato Anomalies, euh, donc pour le 10 mars prochain. Switch, PS4, PS5, Xbox Series X, S, Xbox One et PC, bien entendu. Voilà. Alors là, on va rentrer un petit peu. Là, on en a vu 5, je crois. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on va rentrer dans les 5 potentiellement qui m'intéressent, il faut le dire, très fortement. Hein, ça, c'est une évidence. Euh, en premier lieu, eh ben, ce jeu, bien sûr. Mais ben, oui, évidemment. Bayonetta Origins, donc hein, là aussi curieux de voir ce que ça sera, curieux de voir ce qu'il va proposer, et en même temps, un petit peu... un petit peu... J'ai un peu peur. J'ai un peu peur parce que c'est vrai que là, on change complètement de, de, de domaine, de prédilection concernant Bayonetta, vu que ça va être vraiment les, les, les origines, c'est le cas de le dire, de notre chère Bayonetta, notre chère Cereza. En l'occurrence, avec Chouchou, qui est présent donc euh, cette espèce de gameplay qui a l'air un peu euh, hybride entre eux, et le déplacement de Ceresa et en même temps surtout l'utilisation de Chouchou qui sera véritablement là pour le combat et nous on sera plus là pour lui donner un peu des ordres ou ce genre de choses on... à voir c'est particulier je dirais pas que c'est ça me donne pas envie mais euh, je reconnais que je n'attendais pas euh, un Bayonetta à ce niveau-là maintenant je suis curieux c'est un peu comme... Euh, comment il s'appelait Okami Den. C'est un peu comme Okami Den, par exemple, euh, qui était peu ou prou le, le, le même... On va dire la même chose par rapport à Okami, mais qui changeait un petit peu. Euh, là, on a quand même une, une scission dans, dans le gameplay, parce que c'est quelque chose qui n'est pas orienté vers euh, le, le, le beat'em up, euh, bien, bien comme ils le font. Mais ça sort bientôt, le 17 mars 2023, donc sur Nintendo Switch exclusivement. Euh, et ça fait plaisir alors, un autre jeu qui doit sortir au mois de mars, mais comme on n'a pas de nouvelles, on n'a aucune nouvelle du jeu. On a vu très peu de gameplay du jeu et on nous dit que ça va sortir au mois de mars. Alors je veux pas être médisant, mais quelque chose me dit que potentiellement ce jeu-là ne sortira pas au mois de mars. Donc, on va mettre des gros guillemets sur sa sortie. Peut-être que oui, hein, peut-être que non, je ne sais pas. Mais voilà donc du coup, Crime Boss euh, sortira normalement si tout va bien, eh bien, ce mois de mars 2023, qui est un peu. Euh, alors voilà, c'est le jeu à gros budget avec des stars partout. Voilà, là on a vu évidemment, Kim Bassinger ou Bassinger, bref, vous appelez ça, comme vous voulez, vous appelez ça. Vous l'appelez comme vous voulez, bien sûr. Mais il va y avoir énormément de grosses stars qui vont être présentes autour du, du, du jeu, avec finalement quelque chose d'ultra classique. Hein, le, le but, c'est vraiment... Ça, ça va être vraiment du, du FPS, euh, qui a l'air assez, assez classique, peut-être même un, un petit peu trop. Donc j'espère que ce jeu ne tombera pas dans la... Comment on appelle ça Dans le... Dans le cliché du voilà, jeu FPS de base, mais on a mis tout le pognon euh, sur les stars. J'espère vraiment que ça ne sera pas le cas. Et j'espère vraiment que ça ne sera pas ça. Parce que quand on passe en jeu, voilà. C'est. Comment dire C'est. Bah, c'est différent. <laughs> voilà, c'est différent. Je n'ai Je... Je... pas d'autres mots à dire. C'est très différent. Donc euh, ouais, ça, ça sent, voilà, ça sent quand même le, le, le petit jeu à petit budget, euh, mais pas trop, puisque forcément ils ont certainement mis de la thune pour euh, notamment euh, faire venir des stars internationales pour le, pour le titre en question. Mais voilà, ce qu'on voit maintenant qu'on voit ça, je pense qu'on va doucement baisser le curseur de, de, des, la, des attentes et de l'attente concernant ce jeu, parce que là, bon... Voilà, je pense que, <laughs> je pense que là, le, la, le, comme on dit, le, la mécédite, ah, ça peut être, ça peut être fun à jouer, hein, ça peut être fun à jouer, comme l'était par exemple un Army of Two, pour ne citer que lui, comme un Kenny Lynch, par exemple, pour ne citer que, que évidemment. Donc, euh, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais je pense qu'il faut, dès à présent, ne pas en attendre forcément grand, grand chose euh, à ce niveau-là. Et voilà. <laughs> Voilà, la vidéo parle d'elle-même, au moins comme ça, ça vous aura permis de voir un petit peu ce que ça donne. Mais donc, normalement, potentiellement, logiquement, le jeu sortira au mois de mars. Je pense qu'on en reparlera. Je pense qu'on va en reparler très vite. Évidemment. Euh, autre jeu que j'attends aussi, et lui, c'est vrai que c'est une. Euh, à la fois une surprise de le voir arriver, et c'est vrai qu'en même temps, euh, bah pas tant que ça. Mais oui, on va avoir un autre Project Zero qui va arriver. Alors, c'est un autre sans lettre. Si ma mémoire est bonne et je voudrais pas euh, dire de bêtises, mais il me semble que ce Project Zero, c'est celui qui n'est qui jamais sorti chez nous, qui était au Japon, mais qui n'est jamais sorti chez nous traduit ou un truc dans le genre-là. Il me semble que c'est ça. C'est ça, il me semble l'explication le, le, du, du jeu. Euh, mais euh, moi, j'aime bien un Project Zero. Ça fait partie des, justement des licences que je trouve plutôt intéressante, même si très clairement aujourd'hui maintenant c'est pour un c'est pour un public de niche, hein. ça c'est sûr et certain. Hein. Et j'en fous partout, c'est une catastrophe. Et, euh, et franchement, ouais, non, c'est vrai que je suis, euh, je suis là aussi très curieux de voir un petit peu ce que pourrait proposer le, le jeu. Parce que je pense qu'il va garder la même, la même mécanique et la même façon de, de, de faire, notamment avec ce fameux appareil photo où on prend des photos et ce genre de choses pour euh, euh, comment dire, détruire les, euh, les apparitions que l'on va avoir, etc. etc. Là, pareil, je, je suis aussi plutôt intrigué de voir ce que pourrait donner ce, ce jeu, mais il arrive chez nous et il arrive, bah, il arrive traduit. Voilà, je, et je pense que ça en soi. Rien que ça, c'est déjà une sacrée surprise en soi, donc euh, ça fait quand même bien plaisir. Donc pour, évidemment, on va dire les fans qui attendent ce, ce genre de jeu, ben voilà, moi ça me permettrait peut-être de me remettre un pied dedans, parce que l'épisode Wii U ne m'avait pas plus emballé que ça. Et voilà, on est dans ce genre de jeu un petit peu, là aussi, euh, avec une ambiance bien pesante comme il se doit. Eh ben écoutez, ma foi, j'ai presque envie d'y croire, donc on croise les doigts. Et ça arrive donc le 9 mars sur PlayStation, sur Switch je crois, sur PC il me semble, enfin bref, ce sort sur plusieurs machines, donc euh, c'est plutôt, plutôt pas mal. Autre jeu qui va sortir. Alors, je vais relativiser évidemment ce jeu, pourquoi euh, Parce que c'est Wolong. Wolong Fallen Dynasty, donc euh, jeu des créateurs de Nioh, hein, la Team Ninja. Je ne peux pas vous en parler. Bon, je pense que vous avez compris ce que je veux dire par je ne peux pas vous en parler. Euh, mais euh, évidemment, vous aurez mon avis bientôt, très bientôt, très très bientôt sur la, la chaîne YouTube. Je vous, je vous invite à rester connecté, vraiment, dans pas longtemps. Voilà, hein. restez vraiment connecté, vraiment 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 connecté, euh, puisque il se pourrait qu'il y ait un petit quelque chose qui pop vite, très très vite. Euh, et c'est vrai que euh, c'est un jeu qui commence à un petit peu mettre quelques frustrations ici et là en se disant bah tiens apparemment il est très très, très difficile hein. j'ai vu notamment euh, Exerve euh, qui euh, n'a même pas fini le, le premier boss voilà je peux évidemment pas vous en dire plus tout ce que je peux vous dire c'est que moi ça s'est largement mieux passé que ça euh, et donc du coup on va en reparler vite! Voilà, on en reparlera très très vite de ce jeu Wolong. Donc ça arrive le 3 mars 2023 sur console et sur PC, je crois, de mémoire. Il y a une version Steelbook d'ailleurs euh, que vous pourrez euh, retrouver. Quelque chose me dit que cette version Steelbook, il va peut-être falloir aller la choper vite. Mmh. Quelque chose me dit qu'il n'y en a pas autant, autant que cela de, de prévu. Mais après, évidemment, ça vous de voir. Et le jeu sera, bien sûr, dans le Game Pass, bien entendu. Et dernier jeu, bon, bah, dernier jeu qu'on a vu il n'y a pas longtemps. Euh, on va rajouter une pièce. Voilà, on va rajouter une pièce dans la, la fente, puisque, bah oui, c'est un jeu que j'attends énormément également. Un jeu Capcom Resident Evil 4 Remake. Voilà, je ne vais pas redire ce que j'ai dit lors du State of Play. C'est un jeu que j'attends vraiment, vraiment beaucoup. Ça fait partie même de, du top 3 des jeux que j'attends ce mois de mars avec Wolong et euh, Comment il s'appelle Et Project Zero. Entre autres. Donc euh, voilà, ça va être quand je pense à un vrai plaisir de refaire ce jeu, surtout qu'en plus là, clairement, le gameplay avec ce système, on le voit, de, de parade, de système d'esquive, euh, mieux, mieux réalisé aussi au sens, de, 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 au sens technique pur, puisque là, on va utiliser le, le moteur que l'on. Qu'on a l'habitude d'avoir maintenant depuis un petit moment, la, la, la présence de Louis, euh, beaucoup plus présent et d'ailleurs dans cet épisode, euh, Ashley qui est toujours là, merci à tous, euh, Krauser avec le fameux combat, euh, puisque vous le savez, il n'y aura plus de QTE, je le tiens euh, et je le rappelle, hein. en tout cas ils ont évoqué le fait qu'il n'y aurait plus les QTE comme à l'époque sur RE4, on verra ce que ça donnera, avec notamment, je le redis une fois de plus, ce fameux passage de l'enfer, voilà, attendez, hop 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 voilà! Voilà, ce passage de l'enfer, on va l'avoir encore. Merci à tous. Je remets là aussi une petite pièce dans la fente en vous disant que ce passage est un des pires passages de toute l'histoire du jeu vidéo. Absolument. Tellement c'est hallucinant de difficulté. Bref, euh, ça sera pour évidemment notre grand plaisir de refaire ce, ce passage-là. Et puis voilà, bah, des grosses attentes concernant ce jeu parce que simplement de réapprécier un jeu que j'avais déjà énormément apprécié à l'époque, mais ma foi... Je ne demande finalement que ça, bien entendu, et bien sûr. Maintenant, on croise les doigts pour voir si rien n'a été oublié, s'ils ont quand même changé un petit peu, notamment euh, toute la partie, euh, comment on appelle ça euh, Toute la partie euh, du, de la troisième de l'île, voilà. Est-ce qu'ils ont pris à l'identique Est-ce qu'ils ont changé un petit peu J'espère quand même qu'ils ont changé un petit peu, parce que si c'est vraiment à l'exactitude près et l'exactitude même de ce que l'on a connu déjà. J'espère pas, euh, parce que bon, ce serait pas forcément très très bien, parce qu'on le sait, la troisième partie est pas très réussie de RE4. Mais voilà, ça y est, ça arrive. La démo d'ailleurs devrait être bientôt disponible et on espère euh, là aussi euh, de qualité. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais oui, c'est un jeu que j'attends et non mais. Non, tout simplement. Voilà, bah écoutez, pour les jeux du mois de mars. Alors vous l'avez vu, hein, normalement on devait avoir notamment un certain euh, The Day Before, mais qui n'est pas là puisqu'il a été repoussé à une date, euh, voilà, une date, comme on dit, indéterminée. Euh, on devait avoir notamment Skull and Bones, il a été repoussé également à une date indéterminée. Et on a eu donc, on devait avoir Star Wars Jedi Survivor, qui lui a été repoussé, mais cette fois-ci, non pas au mois de mars, mais au mois d'avril en même temps. Enfin, en tout cas, à la même période qu'un certain Dead Island 2. Et ça, pareil, on y reviendra à ce moment-là lors de la vidéo du mois d'avril. Merci beaucoup, des bisous, à très bientôt pour de prochaines aventures, portez-vous bien, paix, sérénité, force et robustesse, et vive les jeux vidéo Salut tout le monde, et à la prochaine Ciao